Des mecs aident vraiment à ouvrir des portes, à découvrir de nouvelles choses que par exemple j'aurais peut-être pas eu la chance de faire. Ça m'apporte beaucoup de choses, notamment dans le milieu scolaire et aussi pour la culture générale. J'ai deux tuteurs depuis ma classe de 5e. Donc il y a Luc avec qui je fais des sorties culturelles dans à peu près tout Paris et dans notre ville. Et j'ai un référent pédagogique avec moi au lycée, qui est un de mes profs. Avec ma famille, notamment ma femme et ma fille, on accompagne Olivia. Et le but, c'est de partager avec elle, comme vous le voyez aujourd'hui ici, des moments d'ouverture en l'environnement socio-culturel. Et donc, on a fait pas mal d'expositions, beaucoup de musées ensemble, du sport aussi de temps en temps, petit parcours branche et compagnie. Bref, pour avoir une espèce de puzzle, d'activité qui puisse permettre aux jeunes, et en l'occurrence Olivia, de découvrir des domaines sur lesquels elle ne saurait pas spontanément et qu'on découvre aussi avec elle. Hein. Qu'est-ce que tu en penses? Spécifique. C'est spécifique. Hein. On va vite voir ça. Alors, tu as quelques chaussures qui sont incrustées. Oui. Attends, on va faire un peu le tour, là. C'est une femme qui avait un point de vue assez moderne par rapport à son époque. Donc, on a pu voir, par exemple, des pièces architecturales qui étaient assez spécifiques pour l'époque. C'est une jeune fille qui est très curieuse, c'est une espèce de force tranquille. Moi je la vois s'épanouir, non pas que ce soit... elle le fait parce qu'il y a plein de gens autour d'elle, mais j'ai vu au cours de ces 5 ans voilà, un intérêt qui va s'élargissant et je trouve ça hyper intéressant et puis... Et puis épanouissant, en fait. Moi, j'étais assez timide en 5e, mais à force, on s'habitue à faire des sorties ensemble. Je suis totalement à l'aise maintenant. Et je sais que, par exemple, pour le milieu professionnel, plus tard, peut-être je pourrais lui demander des conseils, parce que je voudrais être dans l'économie aussi. Olivia continuera son chemin en université ou dans les écoles sur lesquelles elle va postuler. C'est aussi un autre apprentissage. Hein, mais moi, je pense que ce qu'on a partagé ensemble, hein, en famille d'ailleurs aussi, puisque c'est la façon dont on fonctionne, ça permettra à Olivia aussi de pouvoir élargir ce type de contact, de relation avec d'autres.